Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Joachim Sonforget. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, le symbole est fort. Les premiers maîtres Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ne sont ni plus ni moins que les héritiers du seul bataillon français débarqué en Normandie le 6 juin 1944, le commando Kieffer. Déjà, pour la liberté de leurs concitoyens, de jeunes gens acceptaient de payer au prix de leur vie. Hubert, Jobert, Trépel, dont je porte l'insigne sur ma veste aujourd'hui, Pinfanténiaud, De Montfort, Kieffer, Pontchardier. Le devoir de mémoire s'inscrit à Lorient et à Saint-Mandrier jusque dans le nom des unités au sein desquelles ces braves servent. Esprit de corps, faire au lieu de commenter, modestie, la grandeur d'âme, la passion, l'abnégation, une vie ancrée dans le présent. L'excellence des unités spécialisées d'ESNO et de CTLO, des missions dans la profondeur que peu d'armées dans le monde savent mener. Voilà comment je peux résumer les nombreux amis que j'ai la chance d'avoir au sein de nos forces spéciales et notamment des commandos marines. Je n'oublie pas dans mon hommage les autres hommes du COS, les terriens et aviateurs. Je vous pose deux questions suite à mes réflexions au contact de ces hommes, monsieur le Premier ministre. D'une part, pouvons-nous réduire encore plus l'aléa de missions qui seront toujours risquées ? Pouvons-nous donner plus de flexibilité sur l'accès à l'innovation dans le matériel à destination des opérateurs, que ce soit pour les achats comme pour l'homologation de matériel déjà à disposition, mais à adapter à d'autres usages ? En suivant l'exemple, c'est ma deuxième question, en suivant l'exemple qui se développe au Sahel sous l'impulsion du GECOS, et comme le président en a la volonté sur les projets d'industrie de défense franco-allemand, ne pourrions-nous pas aussi unifier nos capacités d'intervention et de renseignement au niveau européen dans le domaine du contre-terrorisme et de la libération d'otages ? Et pour conclure, je voudrais rappeler qu'avant d'accomplir leur mission, les commandos marines donnent plus que le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à l'obtention du béret vert, à l'issue d'un stage commando d'une dureté extrême qui fédère des hommes de tous grades. À l'issue de cette formation, ils gagnent le droit de protéger leur pays et leurs concitoyens sans distinction pour que ces derniers vivent en sécurité, parfois malheureusement dans l'insouciance et la vérité. Je finis, tirons-en des leçons dans la vie civile, soyons à la hauteur de nos héros en lutte contre le terrorisme islamiste aujourd'hui pour que nous les méritions de leur vivant comme dans leur mort au service de... ministre désormais. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, en cette journée d'hommage national, je tiens tout d'abord à saluer la mémoire des deux premiers maîtres, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Ils ont été au bout de leur engagement, ils ont donné leur vie pour permettre la libération de 4 otages. Je voudrais ici rappeler la reconnaissance de la nation, la fierté des armées, et l'immense tristesse de la communauté militaire. La France a perdu 2 de ses fils, et vous me permettrez d'adresser toutes mes pensées à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes. Je voudrais maintenant répondre rapidement à vos questions, monsieur le député. Réduire l'aléa et le risque est le fruit de plusieurs facteurs, et l'innovation en est un. Cette innovation, elle est inscrite dans l'ADN du commandement des forces spéciales, ainsi que dans sa devise, faire autrement. Les forces spéciales jouent un rôle d'éclaireur en imaginant de nouveaux concepts, mais aussi de nouveaux équipements. Elle constitue un laboratoire pour tester ces innovations et pour pouvoir ensuite en faire bénéficier l'ensemble des armées. En matière de lutte contre le terrorisme, nous avons atteint un niveau de coopération exceptionnel, non seulement avec nos alliés américains, mais également avec nos alliés britanniques, espagnols ou suédois. Pour terminer, vous pouvez être certain que nos forces spéciales font référence parmi les forces spéciales européennes, qu'elles jouent un rôle de leader et, comme vous l'avez dit, peu d'armées dans le monde sont capables de réussir une opération aussi complexe que celle qui a été conduite au Burkina Faso. Merci, Madame la Ministre.